abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Julien Bugier passe ses vacances d'été en Corse. Le beau gosse du PAF, qui officie sur France 2 en tant que présentateur du JT de 13h, a partagé quelques clichés de son séjour à la montagne sur son compte Instagram. Le beau brun de 40 ans est complètement méconnaissable. Il faut dire que les téléspectateurs sont plus habitués à le voir en costume sobre qu'en short. Air rando de légende, écrit l'animateur sur le réseau social. T-shirt, sac à dos, casquette vissée sur la tête et barbe de 3 jours, Julien Bugier s'est métamorphosé en randonneur. Durant ses vacances, le mari de Claire Fournier ne semble pas du genre à se dorer la pilule en bouquinant tranquillement. Julien Bugier préfère profiter de la nature et découvrir les magnifiques paysages montagneux de l'île de Beauté. En effet, il a parcouru le Grande Randonnée 20, un sentier mythique et difficile qui traverse la Corse du nord au sud. De Calanzana à Conca, il est long de 179 km. Dans l'espace commentaire, les abonnés du journaliste semblent conquis. Le Grande Randonnée 20, ce n'est pas une promenade de santé. Mais c'est vrai que vous êtes jeune et en pleine forme. Avec la barbe, difficile pour vous reconnaître, changement de look total. Vous n'êtes plus celui qu'on connaît à la télé, vous vous fondez dans la foule, peut-on notamment lire sur Instagram. Julien Bugier, qui a descendu l'Arc de Triomphe en rappel durant le défilé du 14 juillet, a donc l'âme d'un sportif. Amoureux des grands espaces. Rien de tel que quelques jours dans le sud de la France pour renouer avec son côté aventurier.